Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de la BX. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit commentaire si ça vous intéresse. Et puis c'est parti. Alors, on dirait Jaguar. Donc aujourd'hui, je suis avec Baptiste. Baptiste, bonjour. Personne. Bonjour. Ça va? Ouais, tranquillement. Bon, explique-nous un peu. Aujourd'hui, tu m'as fait venir pour remonter ton correcteur de hauteur de ta BX16 soupape. Ouais, exactement. Bah, il avait un suintement, en fait. Je le voyais quand elle était arrêtée. Donc un suintement, du coup, au niveau du correcteur de hauteur, et en fait c'est un joint qui a été, à mon avis, il y a eu un coup de tournevis mal placé sur le remontage, hein, ouais. C'est ouais, je pense que je dois être le coupable, quelque chose près. Ouais, ouf, bon, c'est pas très grave, ça peut être n'importe qui, malheureusement. Ça me permet de voir comment c'est fait. Comment c'est fait? Alors je vois qu'il y a plein de joints, plein de rondelles en ferraille, des ressorts, etc. Saurais-tu m'expliquer un peu qui fait quoi? Qui c'est que tu changes? Ça, c'est tes nouveaux joints, non? Ou... Alors, ouais, tout ça, c'est de chaque côté. D'accord. Partie égale de chaque côté, en fait. Hein. On voit que ici, il y a hop, et puis pareil là, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Qui se monte, en fait, sur cette partie ici, ouais, et puis côté. Inversement là. Ok, très bien. Après, au milieu, là, on va avoir des genres de petits tiroirs. Parce que du coup, c'est commandé avec la tringlerie de hauteur. Et ça vient appuyer ou retirer. Donc, ce qui vient soit mettre de la pression dans le circuit, soit justement le retirer, enfin retirer la pression, que ça aille dans les retours. Le fait d'avoir un défaut d'étanchéité, t'as pas de perte de pression? Non, ça, non. Bah, de toute façon, ça jette hein, de la pression, ça ne s'arrête pas. Hein. T'as tout le temps de la pression, okay. Hein, même si t'as des fuites, ça va. Tu perdras ton liquide, quoi, c'est tout. D'accord, ok. Ok, seulement ça en fait. Ouais. Tu nous fais voir comment tu bidouilles ça? T'as besoin d'un coup de main ou faut que non, je pose bah, ça va le faire. C'est dans ce sens-là. Et je viens pas que de le démonter, alors faut que j'arrive à me remettre dans le bain. Oui, enfin t'as démonté ça il y a quelques jours et il fallait m'attendre après. C'est un peu ça. Ton correcteur de hauteur, comme ça, t'en as un devant et un derrière. Oui. T'en as pas un pour chaque sphère en fait. Ah ouais, non, c'est vraiment un devant et un derrière. Un devant, un derrière, ok. Parce que on voit bien quand la voiture elle monte soit devant et derrière, ou voilà, c'est vraiment indépendant. C'est les mêmes que lui et lui? Bah, que lui, c'est le même devant et derrière? Oui, pour moi, oui, ce serait pareil. Ouais. Mais j'ai bien fait de le démonter au final parce que c'était un peu sale dedans, tu vois bien, c'était arrêté. Bah, il y a au quelques final. Années, ouais. Ça s'est pas tellement le tir avait été arrêté quasiment une dizaine d'années, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, sur la SS. Ouais. Alors la question c'est, est-ce que je me suis pas trompé? Ça commence bien. Non bah si, c'est bon, je peux pas me tromper. Attends, c'est bizarre parce que ça dépasse pas. Ah, c'est un petit peu serré. Ah oui, il y aurait quand même un sens de rondelle. Là on vient foutre la bague là, normalement. Là c'est la partie la plus simple. Ouais, clairement ouais. Et après, il va falloir la remettre en place et là, ça va être. Pas la même blague. Ça va pas être si mal, je pense. Donc là, on voit le 9 et là, éventuellement, on peut avoir l'idée de ce qu'est un en moins bon état, qui est un peu de vécu, on va dire. Donc tu disais aussi que normalement, les correcteurs étaient identiques aussi sur tout ce qui était modèle type DS aussi. Bah ouais, je me suis pas mal renseigné et puis moi j'ai commandé ça sur Blondeau DS qui fait plusieurs des pièces sur DS, ils vendent des pièces de DS quoi. Oui, qui enfin sûrement c'est assez facilement trouvable. Ouais. Ouais. Tant mieux encore. Après je crois que j'ai comparé les tarifs, je crois que j'ai fait le rat quoi mais Oui, bah après enfin comme tout le monde enfin à un moment donné. Oui, je sais. Mais attends, on relève, je suis désolé. Non, mais c'est bien comme ça permet de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà, et en fait là faut visser maintenant. Pas fort autrement. Attends, avant de mettre le cache-poussière, on va faire de côté. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse importance sur les autres. Parce que sur les autres ressorts, ils sont pas tout à fait pareil. Ça a peut-être pas une réelle importance du fait que lui soit plus serré d'un côté ou de l'autre. Ok, oui, ils sont pas identiques quoi. Ouais, voilà.
Bon, c'est pas très grave. Ça devrait pas poser souci. Allez, c'est reparti pour un tour. Si, on va voir une fois là-bas. Ouais, après ça va être chiant. Non, c'est un petit, faut pas que je le perde, Bah écoute, on est pas mal. ça. Ouais, je pense que c'est carré. Bon, Bon, bah, il n'y a voilà. plus qu'un. On est bon, hein? Bon. Je sais pas si vous allez voir la gueule du pas de clé là, mais c'est pas jojo quoi. Mais Ok, effectivement, les ça. endroits ça rip un peu quoi. Oui, bah c'est sûr après. Je l'ai inséré. T'es pas vrillé là, non? Je sais pas, t'as l'impression que c'est pas droit toi? Non, je sais pas, vu que Non, c'est je sais pas. déjà. Si, c'est bon. Il est mis dans la rotule. Donc la rotule qui te sert de commande. C'est ça. T'es vraiment zéro accès, hein, c'est vraiment une belle merde. Ouais, c'est une belle merde. Et toi, il va falloir que tu arrives à mettre les vis derrière. Ouais. T'es dedans? Normalement, ouais. Je force ou pas trop? Bah, Y a ça forcé, force pas. forcé. Hein. Là, là. Là, je suis serré. Hein. T'en sors, pépère? Ouais, c'est bon, il est bloqué. C'est bon au final? Donc un peu la merde à mettre, mais Mais ça se tient. faut que ça y est quoi. Maintenant, bah écoute, je te laisse brancher ton tuyau. Bonne chance. Attends, il faut mettre le joint. Oh là, le téléphone. Alors, en gros, pour récapituler, on a mis alors les deux vis de support qui sont là. Là et là, les deux côte-côte, elles servent à maintenir le correcteur de hauteur. Ensuite, il y a juste en haut là. Donc c'est une arrivée ou un retour peut-être? Tout ce qui est rigide, c'est du, c'est de l'arrivée en fait. Ok, donc rigide de l'arrivée. Il y En a gros, une ouais. autre. On a un autre. Hop, je bloque la visu. On a un autre juste là. Et après, on a le retour en tuyau souple qui est là. Qui nous a fait un peu galérer lui pour le remettre. Voilà en gros pour le correcteur de hauteur. C'est ça. On est d'accord? Ouais, on est pas mal. Donc là ensuite on va remonter tout ce qui est la partie un peu mécanique. On a un support qui est là, hein, Ouais, donc il doit être un peu. ici. Attends, fais-la voir à l'écran. Donc ça c'est le support moteur avec cette partie-là. Cette petite partie-là, ah voilà, c'est ça, non? Ouais, elle vient se foutre là. Ok. Et elle sert à quoi elle? Après avec ton support. Pas Ah oui grave. d'accord, ton support anti-couple. Ouais. Ok. Tu me diriges? Demain, ouais. Suis là. Là. Ok, parfait. Qui est vissé? Au moins, on est bon. Tout a été remonté. Donc tout ce qui est train avant côté droit bien sûr. Et donc on a remis de l'huile dans la boîte parce que enfin vu qu'on a dû enlever le cardan, il fallait remettre de l'huile. Et donc là tu démarres pour voir si tout fonctionne, c'est ça? Ouais, et puis si jamais ça marche, si la suspension elle monte pas, je vais jouer de la vis de purge, enfin vis de, ouais ça, de purge, ouais. Ok. Vas-y. Ouais, je vais regarder, t'inquiète. Ferme ta gueule. Vas-y!
allez, c'est parti. Ouais, j'espère qu'on a un minimum propre quand même. Je vais mettre sur... Oh, la meuf là, bien. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Ouais, merci. Vous aurez su, bah vous savez maintenant comment réparer ce correcteur de hauteur. Ouais, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les dans l'espace commentaire et puis mettez un petit like, quelque chose, et mettez la petite cloche hein, pour poursuivre les prochains événements. Allez, abonnez-vous. On dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.